part du calendrier. Aujourd'hui même débute à Londres chez Sotheby's, c'est très difficile à prononcer. Sotheby's, une vente aux enchères prévue sur une semaine des œuvres de l'artiste anti-système Banksy. Le titre de la vente, je ne puis croire qu'il y ait autant d'imbéciles qui vont acheter ces merdes. Le 5 octobre 2018. Hasard du calendrier. Le jour même où je fêtais les 3/4 siècle que je venais de vivre. C'est la ponctuation. Un tableau du même artiste anti-système Banksy était vendu chez le même Sotheby's dans la même ville de Londres. L'enchère s'éleva à 1 018 500 euros. À peine le commissaire priseur eut-il prononcé l'adjudication, l'œuvre se détruisit en passant dans une déchiqueteuse dissimulée dans le cadre. L'effet spectaculaire fut proportionnel à la valeur attribuée au tableau, qui depuis a doublé. J'ai moi-même détruit publiquement depuis de nombreuses années un grand nombre de textes qui finissaient dans une déchiqueteuse manuelle. Par bonheur, mes textes ne sont pas dans la course du marché. Ne disent rien, n'ont aucune valeur. Merci à notre ami Bruno qui nous offre ses murs. Merci à toi qui m'a bien aidé et à Yves Paternoster. Tous les deux m'ont bien aidé. Sans eux, cet accrochage n'aurait pas pu avoir lieu. L'œuvre de Banksy s'est aussi arrêtée en chemin, et c'est pour ça que son prix a doublé. Soif! Voilà, 20 euros, 2 à ma gauche, 3 devant. Le sourire pour la maison. Super. Monsieur Antoine, s'il vous plaît, le sourire, même dans votre main. Voilà, parfait. Si tu disais, si tu vas chez la femme, n'oublie pas le fouet.
Il a dit ça, il a dit qu'une fois. D'ailleurs, c'est une erreur en connerie qu'il a dit. Une fois, je me suis mis un devant, un dans le dos, le même, tu vois. Et avec les badges de tous les trucs que j'ai mis. J'ai plein de badges.